Bonjour! Hey, salut à tous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ma petite Stéphanie? Non, ça va pas. Hey, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour! Aujourd'hui, il fait beau. Il fait pas trop chaud, c'est nickel. On va vous faire une petite présentation de l'endroit où on vit. Voilà, un peu notre petit camp de gitan, là. Et puis voilà, c'est parti. Allez, je laisse filmer la caméraman. La caravane, ça c'est la caravane qui va nous servir à ne pas partir voyager dans le fin septembre. Bon, elle est encore en travaux, on a fait plein de modifications. Donc voilà, je disais, on est dans la caravane qui va nous servir à partir voyager d'ici fin septembre. Donc là, c'est pas encore fini, on fera une petite vidéo de présentation quand tout sera terminé. Ça c'est le véhicule qui va nous servir à tracter la caravane. C'est un Nissan Patrol 3 litres de 160 chevaux. Ouais, pareil dedans j'ai fait quelques modifications. Enfin non, j'ai fait un coffre en fait pour pouvoir faire des rangements et y mettre une cuve à eau, mais on vous présentera ça dans une vidéo. Petite Zara. Bon, tu peux pas du bazar. C'est parce qu'avant je faisais du débarras de maison et tout ça. Et bon, il y en a un peu partout. Il faut qu'on trie, qu'on jette, qu'on voit ce qu'on va mettre dans notre. On a acheté une petite maison là, dans un ancien village. Et on doit amener tout ce qu'on va garder dedans. Là, c'est la caravane dans laquelle on dort pour le moment. Donc, c'est une Bössner 6,50 m sans la flèche. Et bon, c'est pour ceux que ça intéresse, elle va bientôt aller à vendre déjà. Bonjour ma fifi. On peut la mettre là-dedans. Bien. Donc là on a notre lit. Là le coin pour manger. Un petit peu de rangement partout. Ça c'est le coin de cuisine. Voilà, on a une plaque vitro-céramique qui vient là, qui est rangée dans une armoire et puis on cuisine. Ici c'est la chambre des enfants. Donc là il y a la petite, le petit, puis ici la salle de bain. Voilà. Donc allez, on a retrouvé les trois quarts de l'affaire vu qu'on l'a mis en vente. Et puis voilà. Le coin sieste, un hamac pour tout le monde. Ici, on a la place du chef. La place du chef, hein? Ouais. Ouais, on a le jardin, mais ça je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Senza. Senza. Bon, pareil pour le jardin, la serre, ça je vous l'ai déjà montré.
plus fruitier, tout ça. Pousse bleu. Donc là, ben, on a la petite. C'est notre petit ouzou qui nous a flingué. Quand on voit l'état d'eau, vas-y. Il nous a foutu toute la terrasse dedans, voilà ce que ça donne après. Ici, bah, c'est le petit coin terrasse. Voilà, avec notre petit feu de camp et tout. Mais c'est là-dessus qu'on cuisine beaucoup et tout ça. Bon, bah, du bazar. Encore du bazar. Ici je prends, je stockais ma ferraille et tout ça, mais là bon, il n'y a plus grand chose, j'ai déjà tout pratiquement amené. Tiens, je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus si ça peut intéresser des gens. Pour comment gagner un peu d'argent avec la ferraille. Pareil, sur le coup des coins, qui viennent de mes débarras et tout ça. Faut qu'on trie, qu'on voie un peu ce qu'on fait, tout ça. Pareil, là, on a commencé à trier, mais il y a pas mal de choses à faire. Les échalotes qu'on vient de cueillir sont belles, pas trop petites. Okay. Je vais faire dedans. Donc voilà, ici nous voilà dans la maison. À savoir qu'ici en fait on est dans la maison du papa à Steph, et c'est la maison qui nous a servi de transition quand on a vendu la note pour. Enfin, pour pouvoir mettre en place nos futurs projets, on habite ici depuis à peu près 6 mois, c'est ça? Depuis décembre. Ouais, depuis décembre. Donc voilà. Alors, on va dire bonjour à Ouzou et à Michel. Alors ça vient de se lever, ça déjeune et ça geek. C'est du beau. Donc voilà, là nous on va dans le verger. Là, on voulait montrer un petit peu les fruitiers, je ne les ai pas montrés tout à l'heure. Plus en détail. Ah, celui-là, il a donné. Hein? Ah, il t'a pas dit bonjour, toi? Bonjour. Ah, un poirier. Ah, encore un petit pommier, mais il y a 4 pommiers, 2 poiriers. Et un noisier, un noisetier et un prunier. Un poitier, un prunier. Là-bas, c'est quoi? C'est un pommier aussi. Mais oui, celui-là, il donne. Là, un poirier. Là, ça, c'est le mirabellier. Mais pareil, il est trop vieux, il donne plus rien. Ah, il est plus jeune que les pommiers et tout, il a été planté après. Ah, oui. Ici c'est les noisettes. Et puis là, on arrive au fond du verger et on a quoi? C'est quoi? Ouais. Venez regarder, ça c'est le fond du verger. Voilà la petite rivière qui passe. Ah, c'est pas mal ici. Bon, on va clôturer cette petite vidéo. Hein? Mmh. Ouais. Là, il y a des Ah oui, il y a un noyer aussi, au fait. Ah oui. On l'a pas montré ça. Je sais pas si on verra.
Là, c'est un noyer. On les voit pas bien. C'est trop haut. Regarde, attends, il y en a pas un deuxième normalement. Non, noyer, il y en a qu'un seul. Et là-bas dans le coin, il y a un cerisier. C'est ça? Hein? Dans le coin, là, il y a un cerisier, je crois. Il y en avait un, je ne sais pas si le petit coup. Moi, c'est pareil pour cette malade. Bon, non, c'est parce qu'elles vont bientôt tomber, ça, non? Il y a plein de taches noires. Je sais pas du tout. Et les autres, ils sont toutes vertes. Alors, les fruitiers, moi, les légumes, je m'y connais bien, mais les fruitiers, c'est pas mon. Et moi, fruitiers, après, pommes, poires, cerisiers, mais les autres. Ouais. Bon ben voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, petite présentation de notre camp, un peu où ce qu'on vit et tout ça. Et toi, tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on finisse? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas à liker, à vous abonner et à allumer la cloche de notification. C'est bien. Allez. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Bonne soirée. Ouais. Au revoir à tous. Allez, à la prochaine. Des gros bisous.